Salut Youyout, nouvel épisode sur le farming. Alors du coup, c'est pas tout mûri, mais j'en ai déjà pas mal, hein, ces trois-là, celui-là, celui-là, et puis le 33 qui sont à récolter. Donc bah, c'est cool, je pense que la thune va pas tarder d'arriver. Ah ouais non, j'ai cru qu'il était carrément rentré dans le mur là, le pick-up. Donc là, il y a une remorque avec un tracteur. On va prendre la moissonneuse. Et on va récolter tout ça. Tiens, il y a le cul qui dépasse. Alors déjà, on va enlever ça. Hop. On va déjà mettre un petit coup d'essence. On va même réparer tant qu'on y est. On aurait peut-être dû faire ça avant. Pareil, ouais, ça va, 200 balles, c'est pas trop cher. Je vais peut-être prendre un... Je vais prendre le petit Renault. Aïe, le poteau. Normalement les vaches, il reste à manger, ouais c'est bon. Non, si je décroche et que je raccroche, ça va pas aller. Ah ouais, par contre j'ai pas branché le volant, puis le petit Renault sans le volant, c'est un peu la même merde. Ouais, c'est pas grave, ça va le faire. C'est par celui-là, on va pas s'embêter. Bon, c'est un peu tout en chien, mais c'est pas grave. Putain, mais je m'accroche partout là. Sinon ça fonctionnera pas. Dans l'autre sens, non, dans l'autre sens. Putain, j'ai pété le cul. Bon, j'espère que ça va faire du grain. Hop là. Pas copain avec les murs aujourd'hui, je crois. Ouais, je vais faire un coup tout autour, puis après je garderai la paille. J'ai plus guère de bottes de paille, je pense que les bottes de paille je vais faire ici. Bon, même toute la paille qui est dans les trois champs là à côté, je vais la garder pour faire des bottes. Je garderai la paille du 33 pour la mettre dans le silo pour faire le mélange. Oh, t'oublies les brins alors. Là, c'est con qu'il y ait un barbelé là, j'aurais pu réduire les deux champs. Ah ouais, non, j'ai dit que j'achèterais celui d'en face. Alors c'est du blé, je vais regarder le prix après. Parce que là, je pense que je peux le récolter.
ça ferait un plus gros champ ici. Histoire de bien m'aligner. Attends, viens voir, ça m'intrigue. On est où, le 16? Terrain, le 7. 54 000. Est-ce que j'achète ou est-ce que j'achète pas? Attends, je vais faire une ligne quand même sur le côté là, sans que moi je suis retourné. Ouais, donc est-ce que j'achète ou est-ce que j'achète pas? Ça fait grand quand même, ça serait cool. Plus grand champ, plus grande récolte. Il faut que je fasse gaffe aussi, c'est presque plein. Ah, j'ai 190 000 euros, vas-y, je peux acheter, je pense. Plus c'est pile autour de la maison, enfin de la ferme plutôt. Oh bah dis donc. Oh là là, qu'est-ce que je fais, n'importe quoi. Enfin ça s'est peut-être pas vu, mais d'ailleurs est-ce que je vais pas arrêter la vidéo? Non, c'est bon. J'ai encore appuyé sur les mauvais boutons. Si en plus ouais, il est propre et touchant, franchement je vais l'acheter. Vas-y, je craque mon slip. Parce que là, après, ouais, ça fait quand même un choix un peu plus balèze. Parce que ces deux là, je pense que je vais les abandonner. De toute façon, ici, j'avais dit que j'agrandirais la ferme. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'on pouvait faire un petit chemin là en bas pour rejoindre la route. Parce que la route, elle va nulle part. Donc, quand j'ai besoin de faire ce champ-là, ou voir ce grand champ-là, au pire, après, si... Là, je vais couper les arbres et je pourrais dessiner un petit chemin, hop, qui relie ici, comme ça me fera moins de trajet. Parce qu'à chaque fois, je suis obligé de, hop, descendre, passer là, tout là. Et là, hop, je pourrais descendre direct et au pire, là, au bord du champ, je ferai une petite route. Hop, ça c'est bon. Ouais, j'avais dit que j'allais craquer. Et j'ai 190 000, j'ai l'argent, ça. Attends, est-ce que j'avais pas dit que j'achèterais autre chose avant? Parce que ouais, il y a le 29 aussi, qui était sympatoche. Ça, ouais, les deux reliés.
Ah, déjà là, ça sera bien. En plus, ça, c'est à côté de la maison. S'il me reste 136 000, au pire, je pourrais acheter celui-là. Ah, j'aurais peut-être dû faire un passage de plus en travers, ça aurait pu aider. Alors ouais, après c'est pareil dans le petit champ à côté, je pense que les deux cuves là je vais tout déplacer. En bas je vais installer ma maison, puis là voilà tout sur le bord. Ça peut rejoindre le petit chemin qu'il y a là-bas au coin du champ. Ça me ferait gagner un petit peu de temps. Et le temps c'est de l'argent. Ah, par contre, j'ai pas regardé s'il y avait du. Ouais, tant pis, je regarderai après en descendant. Et je sais plus, je crois que j'avais regardé, il me semble qu'il n'y a pas de barbelé. Hey, je vais y arriver ou comment ça se passe? J'aurais dû mettre le volant parce que le clavier c'est bif bof. Enfin, le volant aussi, tu vas me dire, mais c'est moins bif bof. En attendant, la récolte c'est quand même pas dingue. Et je crois que ce champ-là en plus j'avais fait tout comme il faut. Là, je vais faire encore ici en paille le petit bout de triangle. Je vais le. Attends. Je reviens, je vais voir un truc. Ah ouais, non, voilà, là il n'y a plus le barbelé. Et du coup, ouais, la route est juste là. Ça là, hop, j'ai fait un petit bout de chemin qui passe ici en coupant les arbres. Alors, il y a quand même large, ça c'est la place. Comme ça, ouais, du haut là, vu qu'à droite là où il y a les arbres, ça sera mon agrandissement de ferme. Alors même le petit bout de triangle là, je vais peut-être le supprimer, il sert à rien, il est plus casse-cou qu'autre chose. Surtout que maintenant j'ai tout le champ d'à côté. Ça fait quand même pas mal de surface. Pas pour un petit bout de triangle comme ça que ça va me ruiner. Hein. Ouais, pas dingue quand même la récolte là. Il me semble que j'ai mis le mode en plus récolte x2. Et là j'ai plus l'impression que j'ai oublié. Bon, en même temps, ouais, l'avoine, je crois que ça récolte pas non plus des masses. Attention, je suis derrière.
dire même, je suis en train de me dire les deux petits champs de merde là, je vais même pas garder la paille. Vu que j'ai tout le coin à côté, ça me fait encore un max de paille. En nombre de bottes, ça devrait suffire. Parce que les deux petits, ça va tout être en zigzag, ça le tag. Non, quoi, ça ricote. Puis si je fais une deux bottes dedans, ça serait déjà pas mal. Hop, on va remettre le broyeur à paille. À mon avis, je pourrais pas tout ramasser. Il faudra que j'aille vider avant. Ça va pas passer. Merde, bah j'ai pas remis là. Sous ma gueule. Là, il va rester deux brins, quoi. Assez près, a priori oui. Là on voit pas, c'est pile dans le... Ouais, j'étais large. Vas-y, je vais aller ramasser ce qui reste là. Hop, on va finir de vider. On va vider la remorque en même temps. Ouais, quasiment une benne hein, quand même. Je disais que c'était pas ouf, mais bon, c'est sûr, c'est pas ouf, mais c'est pas dégueulasse non plus. Non, là c'est le mont rempli. Donc c'est sûr, j'ai pas réussi à vider. Ah, je crois que j'ai accroché le mur avec le cul. Les deux, de toute façon, c'est du blé, donc ça va. Et ceux-là, ils étaient pas optimisés, donc je pense pas que ça me fasse... grosse récolte de dingue de déglingos.
J'espère que j'ai pas fait trop de manque. Ouais, le corbeau, il a failli passer dedans. Tant pis, je vais peut-être aller éteindre mon tracteur quand même. Je l'ai récupéré tout à l'heure, il ne va plus avoir d'essence. Et merde, ça peine un arbre. Parce que lui il tourne encore, je vais le récupérer, il va être tout sec, il m'a le réservoir. Tiens, on va le mettre à l'ombre. Je crois que c'est plein. Ah ça... Le grain est un petit peu plus gros que l'avoine quoi. Putain, un vieux bec de l'armoire qui bouge quoi.
Allez, encore un petit tour, et puis je pense que ça va être bueno. Même pouvoir vider, je crois que j'ai fait autant dans ce petit champ-là en blé que dans l'autre, que dans le premier avec l'avoine. Derrière, ça évitera le vague de l'armoire qui bouge. Pas pourquoi ça fait ça d'ailleurs. Ça le fait uniquement sur les côtés. Quand on est derrière, comme ça marche nickel. Et what the fuck, des fois. Ah, je crois que je vais faire un petit oubli quand j'ai planté. C'est déjà 70% quoi. C'est vrai qu'il y a la carte, on peut voir le. Merci la sauvegarde. Ouais, 63 le score environnemental, ça commence à monter, c'est cool. La carte des rendements, bah ouais, vert clair, alors que c'était même pas au petit. Ah, c'est plus que là. Alors ça par contre, effacer la carte du rendement, oui on s'en fout, c'est au niveau de l'herbe. Il faut pas que j'oublie de faire cela aussi. Voilà. Ouais du coup je crois que j'avais dit, hein, j'ai tout récolté. Enfin j'ai refait une récolte de foin. Pas tout d'ailleurs. Il me semble que j'en ai gardé en herbe. C'est où celle-là? Non, j'ai pas fait d'herbe, mais j'ai fait que du foin. Donc je suis à 324 000.
Je pense que j'en ai pour un bon moment. Il n'y a que celui au coin de la map que j'ai pas. J'ai juste coupé. Et je l'ai pas ramassé parce que je voudrais voir si ça s'additionne, si je recoupe encore une fois par-dessus sans avoir ramassé. Je suis en train de me tirer avec l'herbe, voilà, j'en ai tellement. Et je crois que je l'avais déjà dit que je revendrais mon truc pour faire le maïs en silage. Et faire que l'ensilage avec l'herbe au final. Hop! C'est cool, ça a commencé à faire rentrer de l'oseille, tout ça. Sachant que j'ai encore le colza à côté à ramasser, deux champs de colza. D'ailleurs, je suis en train de me dire, cette benne de blé, je vais la vider directement dans la. Ah. Dans la. Dans. Ouais, je vais la vider directement dans le truc là pour faire la semence. Ça, le temps que ça se traite. Le temps que ça se traite, il sera temps de planter, je pense. Hop hop hop, putain, et voilà. Oh le mec. Prochaine fois, faut que je pense à brancher le volant. Ça a quand même mieux au volant. Ce 97%, ça va jamais tenir. Non, ne dis pas que ça passe pas. Si on ne pas écrase encore la moitié du champ. Regardez combien j'étais de litres. À 22 000, ça en fait déjà quand même pas mal.
L'impression que quand je vide devant, ouais, ça tire pas trop la remorque. Partir de là, ouais, à partir des roues, elle glisse. À chaque fois, elle glisse, elle est attirée comme aimantée par la moissonneuse. C'est trop chelou. Ça tout droit. Sens. Ouais, encore un petit tour, puis ça va être fini, c'est cool. Bon, puis je pense que je vais m'arrêter là pour cet épisode, du coup. Déjà 40 minutes quasiment. Ah, elle est quand même bien jolie cette petite map. Le silo tout au fond et tout. Ouais, je kiffe. Ben voilà, déjà deux champs de que trois champs, pardon. Ah, puis j'ai le grand champ de blé à faire à côté aussi que je viens d'acheter. J'espère qu'il va rapporter la même chose, voire même plus. Merde, c'est vrai que ça se relève tout seul quand ça... Quand on éteint...
Ah, une benne et demie quand même. Avec ces deux petits champs là. Pas optimisé en plus, mine de rien. Eh bien, ça va faire un petit peu de caillasse. Hop, et puis du coup, bah, je pense que le champ de blé, là, je vais le récolter tout seul de mon côté. Et puis, on se retrouvera prochain épisode. Je sais pas ce que je ferai. Il me reste encore tout le colza à récolter. Peut-être qu'on fera ça ou... Ouais, je sais pas, on verra. Là, du coup, y a les bottes. Ou quoi que les bottes, je les ai déjà faites en vidéo. Sans fera... Putain, me dis pas que ça va pas passer. Non, t'es pas sérieux. On va prendre un peu d'élan. C'est bon. Ouais, ça fait quand même un bon champ là, c'est cool. Donc, oh, puis je suis en train de voir, il va pleuvoir en plus. Attends voir. Ah ouais, 17h ça va. Je pense que je vais avoir largement le temps de récolter. Bon, ouais, prochaine fois, je sais pas ce que je ferai. Soit je continuerai la moisson là en face, et puis au bout là, j'ai du colza à ramasser. Et alors, ouais, ça fera peut-être deux épisodes de moisson, mais c'est pas grave. Parce qu'il faut que faut que je récolte avant qu'il pleuve. Hein. La paille, de toute façon, j'ai que... Ah bah si, là, il faut que je garde la paille dans celui-là aussi, vu que j'ai pas gardé dans les autres. Bon, je vais faire ça de mon côté, et puis je m'arrête là pour l'instant, donc on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous dis à la prochaine. Tchuss.